Ok, bienvenue chez Ndiaye Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la simplification donc des équations de l'algèbre de Boole. Donc, on va montrer comment on simplifie donc les équations en utilisant donc tout simplement donc l'algèbre de Boole. Sans toutefois tarder, on va donc commencer directement donc par des rappels parce que avant de passer tout simplement aux simplifications des équations logiques, il y a d'abord des préalables à savoir. Donc, on va commencer donc par donner quelques rappels des propriétés donc à savoir afin donc de passer directement donc aux exercices d'application. Donc, on commence donc directement par les rappels à savoir. Donc, on va commencer donc par donner comme ça les propriétés des simplifications à savoir automatiquement avant de se lancer donc dans la simplification donc des équations logiques en utilisant donc l'algèbre de Boole. Donc, on commence donc tout simplement là. Donc, on aura donc A et 0, ça fait donc 0, d'accord? Donc, et c'est un peu comme le fois. Donc, on va dire donc A fois 0, ça nous donne donc 0. A fois A, ça nous donne donc A. A fois 1, ça nous donne donc A. A fois A bar. A bar, c'est le complémentaire donc de A. Donc, A fois A, A bar, ça nous donne donc 0. Ici, donc, on aura maintenant, si c'est l'addition, c'est-à-dire ou A, donc on lit donc A ou A égale à A, donc A plus A c'est bien donc A, A plus 1, donc A ou 1 égale à 1, A plus A bar égale à 1, c'est-à-dire A ou A bar égale à 1, A bar ou 1 égale à 1, donc A bar plus 1 égale à 1, A plus 0. Maintenant, il y a la propriété ici à savoir automatiquement donc qui va servir suffisamment même dans la simplification donc des équations de l'algèbre de Boole. Il peut arriver donc qu'on tombe également sur une expression de cette forme-ci. A plus A bar B, c'est tout simplement égal à A plus B. Donc ça, c'est une propriété à retenir absolument qui va servir donc dans la simplification donc des équations. A plus A bar B égale à A plus B. Maintenant, le complémentaire donc de AB, d'accord, donc A et B, ça sera tout simplement donc égal à A bar ou B bar, tel qu'on peut voir, c'est-à-dire A bar plus B bar. D'accord, c'est ça qu'on entend donc par le théorème donc de Morgan. Maintenant, si on a donc A bar bar, c'est tout simplement donc égal à A. Donc, avant de se lancer dans la simplification donc des équations logiques, en utilisant donc l'algèbre de Boole, c'est-à-dire la simplification donc algébrique, voilà donc les propriétés à savoir automatiquement. Une fois que ceci est fait, nous allons donc passer directement donc à la résolution donc des exercices en utilisant les propriétés que nous venons de voir. Donc voilà l'exercice. Donc exercice, simplifier au moyen donc de l'algèbre de Boole les expressions logiques suivantes. Donc, c'est-à-dire il s'agit tout simplement donc de la simplification algébrique des équations logiques. On a donc la première équation telle qu'on voit là, A, B, C ou B, C plus B, B bar, d'accord? E2 égale à A, B, C plus A bar plus A, B, C bar plus A, B, C bar plus A, A bar, B, C bar. On aura donc également donc E3 qui est égal à A bar facteur donc de B bar ou A ou B bar, d'accord? On a donc l'expression donc de E4 telle qu'on voit tout simplement là. Également, voici donc l'expression donc de E5, de l'équation 5 que nous allons donc simplifier, d'accord, en utilisant donc l'algèbre de Boole. Sans toutefois tarder, nous allons donc prendre directement dans la feuille réponse pour pouvoir donc résoudre les différentes équations, c'est-à-dire simplifier les différentes équations. Ok, solution, simplifier algébriquement au moyen de l'algèbre de Boole, d'accord, les équations donc suivantes telles que nous avons vu ici. On nous a demandé donc de simplifier E1 qui est tout simplement égal à A, B, C, d'accord, ou B, C, ou B, B bar. Donc, ok, on regarde directement ici, on voit déjà que dans l'expression qu'on vient de nous donner, si nous avons donc B, B bar, nous avons déjà vu que d'après les propriétés que nous avons vu tout simplement que A multiplié donc par A bar, donc A et A bar, nous avons vu que c'est tout simplement donc 0.
Ce qui veut dire tout simplement qu'ici, dans l'expression, si on voit déjà que BB bas ici, on va nous donner tout simplement donc 0. On peut donc tout simplement donc recopier dans l'expression de E1 en écrivant tout simplement que E1 est tout simplement égal donc à A, B, C, d'accord, tout simplement donc plus BC. C'est-à-dire, on sait que le plus est lié dans OU. D'accord? A, B, C ou B, C. Maintenant, lorsqu'on regarde maintenant l'expression ici, qu'est-ce qu'on peut regarder maintenant dans l'expression? On peut donc voir dans l'expression que nous avons donc BC ici et encore BC dans l'expression ici. Donc, ce qu'on peut faire, on peut donc mettre tout simplement donc BC en facteur. D'accord? On met donc BC en facteur. Donc, ceci encore égal. On met donc BC en facteur. À côté de BC ici, on voit bien qu'il y a A. On écrit donc tout simplement donc facteur de A ici. Ou qui est bien le plus. Maintenant, si on met donc BC ici en facteur, on sait bien qu'à côté de BC ici, il y a donc 1. D'accord? Donc, on met donc BC en facteur. Il reste donc tout simplement ici. À côté, il y a donc 1. Donc, on reste maintenant tout simplement donc avec BC facteur donc de A plus 1. Or, nous venons de voir dans les propriétés ici en haut tout simplement que A ou 1, c'est-à-dire A plus 1, d'accord, était tout simplement donc égal à 1. Ça veut dire tout simplement ici que A plus 1 ici va donc donner tout simplement donc 1. Ce qui veut dire que tout simplement l'expression donc de E1 simplifiée sera donc E1 égale tout simplement donc à BC. Donc voilà déjà la première équation que nous venons donc de simplifier comme ça en utilisant donc les propriétés donc de l'algèbre de Boole. Sans toutefois tarder, on va directement enchaîner donc avec la deuxième équation. Logique. D'accord, on a donc E2 qui est tout simplement donc égal à, donc nous avons vu que E2 c'est tout simplement égal à ABC ou ABC bar, d'accord, ou ABC bar ou A bar BC bar. Donc il s'agit donc de simplifier dans l'expression que nous venons de voir là. Maintenant, pour commencer, on va donc regarder maintenant les deux expressions. Est-ce qu'il y a donc des termes communs qu'on peut donc essayer donc de mettre, d'accord, en facteur dans l'expression ici? On regarde ici qu'on a donc A, B, C. Donc on voit ici qu'on peut donc mettre dans l'expression ici donc A, B ici en facteur ici avec A, B là. D'accord, dans les deux termes ici. On peut donc mettre donc ici tout simplement donc E2 sera donc égal. On met donc A, B en facteur. Donc lorsqu'on met A, B ici en facteur là à côté, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura donc C. Donc ici, donc OU, c'est-à-dire le OU ici plus AB ici en facteur, il reste quoi ici? On a donc C bar plus, maintenant, quand on regarde l'expression ici et l'autre ici, qu'est-ce qu'on peut donc mettre ici en facteur ici? On voit que les deux termes donc ont B, C bar, que voici, en commun. Donc on peut donc mettre tout simplement donc B, C bar en facteur. On met donc B, C bar en facteur ici. Là, on aura ici tout simplement donc A ou, donc c'est-à-dire A plus, ici là on aura donc A bar. Or, nous avons vu d'après les propriétés que nous avons donc vu tout simplement que A ou A bar était tout simplement donc égal à 1. Donc, A plus A bar était égal à 1. Donc, on aura donc ici, on peut donc venir remplacer donc l'expression donc de E2 tout simplement ici. Donc, ça veut dire que ceci va nous donner 1. Et ceci va nous donner tout simplement donc en l'expression ici. Donc on aura donc maintenant ici tout simplement AB ou plus BC bar. On voit bien qu'on peut mettre tout simplement dans l'expression ici B en facteur. Donc on aura donc E2 sera donc égal à B facteur de, parce qu'il y a B ici et B là. On met donc B en facteur, on aura donc tout simplement ici A plus, c'est-à-dire A ou tout simplement C bar. Donc voilà donc l'expression donc simplifiée de l'équation E2. Sans toutefois tarder, on enchaîne donc directement donc avec la question donc E3. Ok, donc on a l'expression donc de E3 qui est tout simplement égale à A bar facteur donc de B bar, d'accord, plus A plus B bar, d'accord. Tout ce qu'on aura à faire ici, on voit tout simplement que A bar doit multiplier donc tout simplement donc B bar, d'accord, ici. A bar doit venir multiplier également donc A et A bar doit venir donc multiplier donc B bar. Donc en fait on va donc développer.
On aura donc E3 sera donc égal à A bar multiplié donc par B bar. A bar, on aura donc plus ici, A bar multiplié donc par A, on aura donc A bar A, A bar multiplié donc par B bar, on aura donc A bar B bar, d'accord? Or, nous avons vu la propriété qui dit tout simplement donc que A bar multiplié donc par A est tout simplement donc égal à 0. Ça veut donc ici, on a donc tout simplement donc 0. Ce qui veut que l'expression de E3 sera donc tout simplement donc égal donc à A bar B bar, d'accord? Ou A bar B bar. Maintenant, A bar B bar plus A bar B bar, c'est quoi? Nous avons bien vu la propriété qui dit que A ou A est tout simplement égal à A. Donc A plus A est égal à A. Donc si on a tout simplement la même expression deux fois, d'accord, lorsque ça s'additionne, ça donne tout simplement donc A. Donc on peut donc voir ici que, on peut donc dire tout simplement que A bar B bar, d'accord, plus A bar B bar, c'est tout simplement égal à A bar B B bar, d'après cette propriété-ci. Donc l'expression simplifiée donc de E3 est tout simplement donc égal à A bar B bar. Ok, sans toutefois tarder, on va donc passer directement donc à l'équation donc. D'accord, tel qu'on peut voir ici, on a donc tout simplement donc E3 égale à A bar B C bar plus A B bar C plus A B C bar plus A bar B bar C plus A bar B C plus A B bar C bar. Il est question donc tout simplement donc de simplifier algébriquement donc l'expression donc de E4. Ce qu'on va faire, on va donc essayer simplement de regarder les termes communs et essayer de voir comment on peut faire donc pour les regrouper. Lorsqu'on regarde ici l'expression ici, on peut donc regrouper tout simplement donc A, B, C bar, c'est-à-dire A, B, C bar, l'expression ici. D'accord? On peut donc voir qu'ici dans l'expression ici, on a tout simplement donc A bar, B, C bar. Quel est le terme commun ici qu'on a ici? On voit ici qu'on a donc A bar B, d'accord, ici on voit aussi également qu'on a ici donc A bar B. Donc vous voyez qu'on peut y regrouper dans l'expression de cette expression-ci, tout simplement donc avec l'autre-ci. C'est pour ça qu'ici en bas on a déjà rédigé ici donc A bar B C bar plus A bar B C, c'est-à-dire l'expression-ci avec cette expression, d'accord. Parce que ici dans l'expression là, on a tout simplement A bar B. Ici on a A bar B qu'après on va seulement chercher à mettre en facteur. Maintenant on peut regrouper donc. On voit également que nous pouvons regrouper ici cette fois-ci. On peut donc regrouper A, B, A, B, C, C bar ici. C'est-à-dire l'expression ici maintenant. On peut regrouper l'expression ici avec l'autre ici tout simplement. C'est-à-dire avec A, B bar, C bar. Pourquoi? Parce que quand on regarde donc les deux termes tout simplement, on pourra donc tout simplement mettre A, C bar en facteur ici. Parce qu'on voit ici A, C bar. On voit ici A, C bar qu'on pourra mettre en facteur. D'accord? C'est pour ça qu'on a donc tout simplement donc regroupé avec donc A, B, C bar que voici. D'accord? Plus A, B bar, C bar. Parce qu'on va mettre A, C bar ici en facteur. D'accord? Donc ici on a également A. A, C bar. Donc la première chose que nous avons fait, nous avons donc regroupé dans les expressions. D'accord? 2 à 2, tel qu'on voit là. Maintenant, on va donc essayer donc de continuer dans notre simplification. On a donc E4. On a donc E4 qui est tout simplement donc égal. On va donc venir ici comme nous avons dit tout simplement. On va donc mettre A bar B en facteur, donc on met donc A bar B en facteur ici. À côté de l'expression ici, on a donc C bar plus C, d'accord? Parce que quand on met donc A bar B en facteur, on aura donc C bar ici, et ici on aura donc C. Maintenant plus, on est déjà ici. Maintenant quand on regarde les deux expressions que nous avons donc regroupées, on peut mettre donc dans l'expression ici B bar C en facteur. Donc on met donc B bar
c'est un facteur. On aura donc ici A plus, donc A bar, d'accord, plus, on continue là en bas, tout simplement, on regarde dans l'expression, comme nous avons dit, on peut mettre donc A, C bar ici en facteur, donc on peut mettre donc ceci, d'accord, le thème commun entre les deux expressions ici, donc c'est A, C bar, on met donc A, C bar, A, C bar, en facteur donc quand on met A, C bar en facteur, ici reste donc B, on vient ici, on met donc B, plus tout simplement donc B bar. Or, nous avons bien vu la propriété qui disait tout simplement que A plus A bar était égal à 1. D'accord? Donc, ça nous permet de comprendre tout simplement donc ici, on aura donc l'expression ici sera donc égal à 1 ici. Ici, ça donne 1. Et là, également, B plus B bar égale à 1. Donc, on peut donc recopier l'expression qui reste tout simplement ici. Dans l'expression donc, de E4 simplifiée, on aura donc E4 sera donc égal tout simplement donc. Donc, quand ici vaut 1, on reste donc avec A bar B. D'accord? Plus, ici là donne 1. D'accord? 1 fois B bar C, c'est tout simplement donc B bar C. Plus, on vient donc ici. Ici, on a donc 1. On aura donc tout simplement donc plus A, C bar. Lorsqu'on regarde dans l'expression donc de E4, tout simplement, on regarde est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut simplifier, qu'on peut regrouper et simplifier. On voit que non. Donc, voici donc l'expression donc simplifiée, tout simplement donc de l'équation donc E4. Sans toutefois tarder, on va donc passer directement donc à l'équation donc E5. E5 est tout simplement égal à A bar BC plus AB bar C plus AB bar ABC bar plus ABC. Maintenant, on va donc regarder donc dans l'expression les termes qu'on peut mettre donc en facteur ici. On voit que dans l'expression, si on a donc BC, qu'on peut mettre tout simplement donc en facteur. D'accord? Donc, on peut regrouper donc l'expression ici avec tout simplement l'autre expression ici. D'accord? Donc, on peut donc écrire tout simplement donc E5. Donc, on écrit donc E5. E5 sera tout simplement donc égal à A, B bar, A bar, B, C. D'accord? Plus, comme nous avons dit ici, l'expression C, c'est-à-dire A, B, C. D'accord? On continue tout simplement donc plus. Donc, plus, tout simplement ici, A, B bar, C, plus, A, B, C bar. D'accord? Donc, l'expression ici reste d'abord inchangée. On va d'abord travailler dans l'expression ici. Dans l'expression, comme on a vu tout à l'heure ici, on peut mettre tout simplement dans BC en facteur ici. D'accord? On met dans BC en facteur. On aura donc ici BC. Facteur d'or, donc dans les deux expressions, si on met donc BC en facteur, à côté on aura donc A bar, d'accord, plus BC en facteur plus A ici, plus on regroupe tout simplement dans l'expression que nous avons ici, c'est-à-dire A, B bar, C plus A, B, C bar, qu'on n'a pas encore touché pour le moment. Or, nous avons vu la propriété qui disait tout simplement que A bar plus A, d'accord, était tout simplement égal à 1. Ça veut dire ici que l'expression si nous donne donc 1. Ça veut dire que l'expression donc de E5, E5 peut être encore égal tout simplement donc à BC plus A B bar C, d'accord, plus A B C bar. Maintenant, quand on regarde dans l'expression que nous avons, qu'est-ce qu'on peut mettre donc en facteur? Tout simplement, on peut donc regarder les deux expressions ici. On peut voir qu'on peut mettre donc dans l'expression ici, on peut mettre donc C en facteur. D'accord? Donc on aura donc C facteur donc de B plus A
B bar, d'accord, plus A, B, C bar, que voici ici. Maintenant, or, nous avons vu la propriété qui disait tout simplement que nous avons donné, d'accord. Nous avons vu la propriété qui disait tout simplement que si on a A plus A bar B, c'était tout simplement donc égal à A plus B. On voit bien donc qu'on a ça, on a cette expression ici. Ça veut dire tout simplement qu'on a juste donc B bar A, parce qu'on voit que ici, on peut encore écrire l'expression que nous avons ici tout simplement, qui sera donc C facteur donc de B plus B bar A plus A B C bar. On voit donc que l'expression ci, d'accord, est comme la propriété que nous avons donnée ici. Donc à la place de A ici, cette fois-ci, nous avons plutôt B. B bar A. D'accord? Ici, on a A plus A bar B. On voit que c'est donc égal à A plus B. Donc on peut donc dire tout simplement ici que B plus B bar A sera tout simplement donc égal à B plus A, d'après la propriété que nous avons donc donnée, d'accord? On peut donc venir ici tout simplement ici dans l'expression, on remplace donc par sa valeur ici, on aura donc C facteur donc de B donc plus A plus A B C bar que nous avons eu ici. D'accord? On continue donc tout simplement donc l'exercice. On développe donc. Qu'est-ce qu'on aura en développant donc? Donc on a l'expression de E5 qui continue. On développe donc. Ceci sera donc égal. Ceci fois ça. D'accord? On aura donc C fois B. Donc C multiplié donc par B ici. Plus. D'accord? C multiplié donc par A. D'accord? On aura donc plus tout simplement donc A B C bar que voilà. Maintenant, on regarde encore tout simplement donc l'expression. Qu'est-ce qu'on peut donc mettre encore ici en facteur? On peut donc regrouper ici tout simplement. On a B ici avec B là. D'accord? On peut donc mettre dans cette expression là en facteur ici. On aura donc E5 qui sera donc tout simplement donc égal. B, d'accord, facteur donc de C tout simplement plus A C bar, d'accord, plus C A que voici, d'accord. On peut donc réécrire encore l'expression ici B, ce sera donc égal à C plus C, on peut donc dire plus C bar A plus c a, d'accord, parce que nous avons vu il y a la propriété qui dit que a b est encore égal à b a. Lorsqu'on regarde dans l'expression que nous avons ici, on a encore c plus c bar a, d'après la propriété que nous avons donnée ici. Par exemple, comme nous avons donné ici a plus a bar, a plus a bar b est tout simplement égal à a b. Donc ici, comme on a donc aussi la même expression ici, sauf que maintenant cette fois-ci c'est donc C plus C bar A. Donc C, c'est disparaît tout simplement, d'accord. On aura donc l'expression donc factorisée de cette expression sera donc E5 sera donc tout simplement donc B facteur donc de C plus A plus tout simplement ici C A. D'accord? On continue donc tout simplement dans la simplification. On aura donc E5 sera donc tout simplement donc égal. On développe donc B fois C plus B fois A. Et de ce côté, on fait donc plus C A. D'accord? Voilà donc l'expression simplifiée donc de E5 que nous avons donc obtenu tout simplement donc en appliquant les propriétés donc de l'algèbre de Boole que nous avons donc donné. Ok, nous vous remercions donc d'avoir donc suivi cette vidéo donc de bout en bout.
Ne manquez pas de liker, d'accord, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!